Ça va vous? Moi ça va. J'espère que là ça tourne bien, que le micro il marche bien, que la caméra elle est droite. Normalement elle est droite, je vois que dans le retour ça va, je vois juste que je suis... On n'en parlera pas. Première vidéo. Les gens ont normalement l'habitude de faire une petite vidéo en mode oui, qu'est-ce qui va se passer sur cette chaîne, etc. Et j'ai pas envie de faire ça. C'est-à-dire que j'y ai pensé, je me suis dit ça serait bien quand même que les gens sachent à quoi ils vont s'attendre sur cette chaîne, mais j'ai envie de faire tellement de choses différentes que ben du coup attendez-vous à tout voir. Pour y aller rapidement, il y aura peut-être du gaming plus tard, il y aura des threads d'horreur, j'adore les threads d'horreur, il y aura des creepypasta, il y aura des enquêtes, il y aura des trucs comme ça. Il y aura pas de tuto make-up. Désolée, je mets moi-même très peu de maquillage, ça se voit à ma gueule, hein. Vous les voyez là, les boutons, vous les voyez tous. Donc bon, on se calme avec ça. Il y aura du vlog, il y aura des vidéos avec des potes. J'ai plein de concepts là, de vidéos que je peux faire avec des potes. À quelle cadence je vais poster? Ce que j'aimerais faire, c'est poster genre deux fois par semaine. Oh là, non, je suis partie très loin. Une fois toutes les deux semaines. Mais bref. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans cette vidéo? Ben, je pense que vous avez vu le titre. Donc, est-ce que j'ai besoin forcément de résumer? Vous avez lu le titre? Vous avez pas lu le titre? Bah lisez le titre. Qu'est-ce que je vais faire dans ce vlog? Alors ce sera pas un vlog à esthétique, genre je me réveille ce matin aux aurores et puis je descends en bas pour manger le petit déjeuner. Non. Clairement pas, non. Ce que j'ai prévu là vraiment, c'est qu'on fasse tout au feeling, sur un coup de tête. Si ça part en couille, bah c'est pas grave, hein, c'est un peu le principe. J'ai rien prévu. J'ai rien prévu pour ce vlog. J'ai pris les billets d'avion, j'ai pris l'hôtel sur un coup de tête. Mais du coup, voilà, non, c'est tout vraiment au feeling. On s'en bat les couilles, pas prise de tête, on y go, on est là, on avance. Sinon, c'est demain qu'on part. Et je suis un petit peu stressée parce que c'est la première fois que je prends l'avion toute seule. Donc j'ai un petit peu peur. Sinon, j'ai un petit peu faim là. Bref, on se voit demain. Ça a été très rapide cette intro. Hein. Vraiment, genre, j'ai pas le temps. Je suis infernale. Non, faut que j'arrête de me regarder en retour. C'est infernal, ça aussi. J'en ai marre de me regarder dans ce retour. Bref, à demain matin. One eternity later. Salut. Là, c'est le matin. J'ai hyper mal dormi. Je suis fatiguée. Mon avion il part à 9h45. Quelle idée même de se réveiller à 5h30 pour être à l'aéroport à 7h. Bon, du coup, ce qui va se passer, c'est que là je vais m'habiller. Ensuite, flemme de prendre le RER. J'ai pas du tout la foi. Donc, je vais prendre un bon gros Uber que je vais payer 40 balles. Allez, je me prépare et puis je vous reprends dans quelques minutes. Je suis presque prête. Je vous avoue, là, je me suis un peu. J'ai fait mon teint. J'ai vu ma gueule ce matin. J'ai fait non, c'est pas possible. On peut pas me voir à la lumière du jour. Là-bas, je devais partir à 6h. Bah là, il est 6h. Et au timing, on est good. J'ai juste me strapper les pieds. Parce que genre, mes bottes, en fait, elles me font giga mal au yep. Du coup, je vais strapper mes pieds pour pas avoir mal. Parce que je sens que j'ai beaucoup marché aujourd'hui. Hop là. Mais non, il m'a pas donné la bonne. On s'est pas compris, je pense, avec le pharmacien. Mais c'est pas grave. Il m'a pas acheté la bonne. Je sais pas, ton métier, c'est pharmacien. Quand je te dis une bande qui colle d'elle-même. Je te parlais pas d'une bande. Enfin, non, mais j'étais précise en plus. J'étais pas précise. Je lui ai dit, une bande qui colle. Mais en fait, il m'a vraiment donné les bandes de tes morts, genre. Vous savez, ces genres de bandes, vous savez qu'elle arrivait. Quand vous allez devoir les enlever, vous allez réveiller la terre entière. Parce que vous allez douiller vos grands-morts. C'est-à-dire qu'il m'a regardé dans les yeux au moment où j'ai acheté, il m'a dit « Bonne journée !» C'est ça, ouais. Oh putain, ça colle vraiment beaucoup. J'ai trop peur qu'il y ait quelqu'un qui me voit filmer parce que vous venez de voir la caméra. Il y a un gros micro, il y a un trépied. Les gens, ils me voient avec ça, ils doivent se dire, mais c'est qui cette cloche qui est en train de se filmer à Ivry-sur-Seine. Ok, du coup, je suis à l'aéroport. Bah, en fait, je suis grave à l'heure. Il est 6h56.
Mon vol il est à 10h15. Vous voyez un peu le problème? Je suis trop stressée de la vie aussi. Quelle idée de se réveiller à 5h30, de partir à 6h et finalement d'avoir fini son onboarding, il est genre à peine 7h. Bref, on se voit après. Bon, du coup, je suis arrivée. Y a plusieurs choses ici. J'ai des petits problèmes là. C'est déjà, les toilettes font du bruit, ça commence à me saouler, ça fait 20 minutes. Arrête, Tony. Arrête, on avait dit quoi? Tu arrêtes quand la vidéo, elle commence. C'est dingue ça, de faire ça, hein. Oh. Ensuite, il y a un truc que j'avais pas du tout prévu. C'est que leur prise, c'est pas du tout comme en France. Donc, je sais pas comment je vais faire. Je suis perdue là, les gars. Pour moi, je me suis dit, tout le monde a les mêmes prix sur Terre, quoi. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a des priorités. C'est déjà manger. Parce que j'ai une dalle, mon gars. Laisse tomber, je pourrais bouffer un âne entier. Trouver un adaptateur pour mon chargeur iOS. J'ai perdu mon chargeur d'iPhone. Donc là, il me reste genre 5%. Je suis un peu en stress parce que tout dépend. Ta gueule. Enfin, ta gueule. Tout dépend de mon téléphone. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais directement essayer de trouver un adaptateur et un chargeur de téléphone. Et après, on va manger. Et après on verra bien ce qu'on va faire. Ça aussi c'est très bizarre les tremblements, je sais pas si depuis que je suis arrivée. Ça me rassure pas. Tremblement, Vésuve à côté, la mort est pas loin. Bref. Let's go. A few moments later. Je suis un petit peu une personne débile. En gros, vous savez, je vous avais parlé de... Comme quoi genre les prises ici elles étaient différentes de, en France. Et en fait c'est exactement les mêmes, c'est juste... La coupe est différente, mais ça marche avec les prises françaises. Donc je suis juste une personne hyper débile, genre. Et vraiment, en plus, quand je suis partie voir la meuf, je lui ai dit « Ouais, vos prises sont bizarres. Est-ce que vous avez un adaptateur ?» Elle a commencé à me sortir des adaptateurs, mais genre américains. Et moi, je suis là, genre « Non, non, French adaptateur. » Et elle m'a regardé, genre « Mais t'es débile ou quoi ?» T'es conne, Manon. Ah, j'ai jamais eu autant honte de toute ma vie. Mais vraiment, genre, attendez, je vous montre. Non, mais je vous montre parce que on peut se méprendre. C'est bizarre. Enfin, je comprends, tu vois, il y a des trous et tout. Mais en vrai, en France, c'est pas comme ça. La meuf qui tient l'accueil, elle m'a regardé genre vraiment comme une clocharde. Elle a dû dire, mais madame, mais vous êtes débile en fait. Enfin, c'est juste ça le problème. C'est pas la prise, c'est vous le gros souci là. Après, je me suis dit, bon, dans tous les cas, il faut que j'achète un câble pour mon téléphone que j'ai oublié à la coloc. J'ai acheté ça à 19€. Non, non, ça va, t'inquiète, je gère. J'ai pas du tout l'impression de m'être fait enculer. Et j'ai aussi acheté un livre. J'ai acheté ça. C'est un livre en anglais. Parce qu'il faut que j'améliore mon anglais, même s'il est bon. Il y a des mots que je n'arrive pas à comprendre. Il est quelle heure? Attends. Il est 14h27. Je sais pas ce que je vais faire. J'hésite. Soit je tape ma meilleure sieste parce que je suis grave fatiguée. Soit je me bouge le cul et je vais manger. Je sais pas, genre Manon fait un effort, non? J'ai tellement la flemme. Je suis trop crevée. Genre j'ai juste envie de prendre une douche là. Et je pense que demain, en vrai, je suis grave chaude de demain aller au Vésuve. Ou à Pompéi, je vais voir. J'aimerais bien aussi qu'on aille voir les côtes almaficiennes. Almaficiennes, eh frère. Vraiment, à chaque fois, j'oublie le nom, c'est un enfer. Bref, c'est tout pour moi. On se retrouve un peu plus tard. Ciao. One eternity later. Vous voyez mes boutons? Voilà, je suis saoulée. Je suis allée manger. Je vous avoue, j'ai pas beaucoup mangé. Genre, j'avais pas très faim. J'aime pas du tout me forcer. Et ce bruit de toilette, ça gâche tout. Oh, c'est l'enfer! Bref, arrête! Putain, tout le temps je suis interrompue. Soit c'est le hockey, soit c'est les toilettes. Ils ont décidé de faire un opéra. On est encore bas du coin là. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle.
La mauvaise, c'est que le Vésuve, on n'y ira pas. La bonne, c'est qu'on y va demain. Et du coup, je me suis dit, mais attends, mais maintenant, genre, tu vas pas rester dans ta chambre d'hôtel comme t'as fait hier. Enfin, fais un truc, tu vois. Et j'ai regardé ce que je pouvais faire et j'ai vu qu'il y avait un musée de l'archéologie à Anna. J'ai réservé un billet, je viens de le recevoir là par mail. J'ai rendez-vous à 13h. Il est 8h48. One eternity later. Hey, yeah. Actuellement 5h21. Hier, j'ai un peu réfléchi. J'ai envie d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de gens, où je suis tranquille. Où... Vous voyez, j'ai pris un train. Je prends un train italien, mais moi je ne comprends pas le. Je sais pas ce que t'as fait là maintenant. Tu t'es dit one life, on fait ce qu'on veut. Non? Tu sais pas prendre de train, frère, qu'est-ce que tu veux faire? Bref, on va essayer de le prendre ce train, il est à 5h55. Voilà, donc c'est-à-dire qu'en fait là on va faire un moustique chez moi. Non, fais pas du bruit près du micro comme ça, dégagez. Ah mais il y en a deux. Bouge, c'est parce que j'ai ouvert la fenêtre. En gros là, on va faire un trajet en train d'une heure. Et ensuite on va prendre un bus pendant une heure aussi. Et on va s'arrêter près d'une petite plage. Pas trop fréquenté apparemment. On se voit tout à l'heure, je vous reprends quand je suis dans le train. Si jamais je le rate, c'est pas grave, on fera un truc aujourd'hui. C'est la vie d'artiste. Je viens d'arriver à Vietri sul Mare. C'est une petite ville portuaire en Italie. Ça s'est bien passé, le train était super. Et là, je viens de descendre de la gare. Je vais vous montrer la vue que j'ai. Premier degré, en sortant du train, je vois ça, c'est trop beau. Et la gare est juste là. Il est actuellement 6h13. Et en vrai, j'avais prévu de prendre un bus ensuite pour rejoindre une plage isolée. Mais c'est tellement beau que j'hésite à finalement prendre ce bus. Peut-être que je peux rester toute la journée ici aussi. Et à partir de là, je suis en train de faire le montage. Aucune trace de tous les rushs que j'ai pris. Alors je sais pas à quoi c'est dû. Je sais pas si c'est la caméra qui a bugué, si c'est moi qui juste fait une mauvaise manip plusieurs fois et du coup j'ai aucune vidéo. Mais du coup, le vlog pour ce jour-là, ben, il s'arrête là. Et en vrai, je suis hyper dégoûtée là au montage quand je le découvre parce qu'en...
Je misais un peu sur cette journée pour remplir le vlog parce que j'avais prévu pendant ma semaine d'avoir 3 jours où je filme et 3 jours où je fais rien et juste je profite sans avoir la caméra avec moi. C'est relou à mort, mais la suite de la vidéo est cool. Donc je vous laisse tout de suite avec le dernier jour en Italie. Pas droit de la caméra aussi, je fais comment? Il est 6h04. Tain, cette nuit, j'ai rêvé que de 1, je ratais mon train et de 2, que je gagnais une compétition de surf en équipe à moi toute seule parce que mon équipe, c'est une équipe de bras cassés et que moi qui étais super douée. Putain, il y a un mec bourré qui est en train de siffler dans la rue. Ta gueule, André, on s'en fout de ton sifflement, vraiment, on s'en fout tous. Et du coup, là, j'ai dit qu'il arrêtait. Bon ok, je suis prête. Il est bientôt 7h et mon train est à 7h27. Ah, faut que je prenne la crème solaire. Je peux pas me strapper les pieds parce que j'ai pas de ciseaux pour couper ces putains de bandes de merde. On remercie encore une fois le pharmacien pour cet effort. Merci à toi. Bref, on y va. Bon, je suis arrivée au début du sentier, genre vraiment. J'ai fait genre 2-3 mètres parce que là-bas c'est la circulation en fait. Du coup voilà, le sentier il commence. Moi faire une randonnée. Maman, je te vois rire là. Je te vois rire, je te connais. Je sais très bien que là t'es en train de regarder la vidéo parce que tu regardes tout ce que je fais sur les réseaux. Et tu dois être en train de ricaner comme une sorcière et tu dois sûrement prendre des photos et des vidéos. Ma fille elle fait de la randonnée. C'est bon, ça va, c'est bon. Là on pousse, on pousse. Ouais, mais c'est dur là maintenant. Vraiment le français il est plus là. Hein. On passe sous un pont. Ça te rend mignon. Alors. Je sais pas du tout où on est. Le pont. Là, je sais pas du tout où on est. Donc, on va regarder. Ok, donc là, on a passé le pont. Là, c'est le terrain. Il faut aller là-bas. Ah! Allez, yo! C'est mardi pour l'aventure. Je suis pas folle, il y a des bruits. Je vais faire comme si j'avais rien entendu. Ça là, c'est l'Everest avec une corde. C'est-à-dire qu'en matière de sécurité, j'ai une corde. Merci de penser à moi, les gars. J'adore le concept. Ah, moi je m'en bats les couilles, je prends pas ta. Putain, y a du caca, wesh. Oh, ça c'est une belle photo. Regardez ces olis. Ouais, je prends une petite photo. Perfect. Ce qui est bien dans une randonnée, c'est que du coup, je peux parler toute seule devant la caméra, je peux marcher avec la caméra, chose que je n'avais toujours pas faite dans ce vlog. Donc c'est cool, faisons des randonnées plus souvent. Oh putain, l'enfer. Oh putain. Évidemment, hein. Putain, culé, va. C'est par où? Il y a ce chemin. Pas sûr du résultat. Et ce chemin avec de la couleur, donc je me dis que c'est par là. Bon, on verra, hein. Au pire si je crève ce soir en me faisant dévorer par, je sais pas, un T-Rex, on en sait rien, frère. Qu'est-ce que tu veux qu'on trouve ici? Vraiment escarpé, hein. Ça c'est escarpé, ça. Dans mon langage, ça c'est très escarpé. Non mais c'est parce que vous êtes pas là en vrai, vous savez pas ce que c'est. Est-ce que je rajoute? Oh putain, je vais y tomber. Est-ce que je rajoute des bruitages pour faire genre c'est compliqué? Je suis pas comme ça les gars, franchement. Ah, ça pique! Culé! Oh, enculé. Il m'a niqué les jambes. Qui me parle? Je suis une personne fame. C'est rien, c'est Snapchat qui m'envoie une vidéo. J'ai rien dit, je suis une énorme merde. Oh, une montagne! La montagne. La montagne. La montagne. Vraiment, j'ai fait 20 mètres, tout ce que j'ai fait c'est parler quoi. Allez man, esprit shonen, on avance. Oh putain, c'est haut. Ah, meilleure blague de l'année 2022, ça. Je l'avais en stock depuis un moment, celle-là. Wow. Wow. Intéressant, ce petit endroit-là. Man versus wild. On va faire un feu de camp et on va chasser du gibier. Excusez-moi, je dis que de la merde, vous allez vous habituer avec le temps. Esprit shonen. Esprit shonen. Allez. Oh là là, je suis fatiguée là. J'ai 3 ans et demi. Ouais.
Moi, il est sous et les chemins. Je dirais que c'est par là. Par déduction féminine. Ça ressemble vachement à un tunnel de violeurs, ça, par contre. Hein. Wesh. J'aime pas du tout cet endroit. Il y a un film d'horreur, regarde, on dirait Stranger Things. Gaieté. Avec les arbres et tout, là-bas. Mon petit doigt me dit qu'on arrive dans l'ambre d'Orochi, ma pute. C'est parti. Je suis fatiguée, là, les gars. Je vous dis pas, on fait une pause. Non, tu feras une pause quand tu seras à découvert. Bah, t'es trop couverte. À tout moment, il y a un grizzly qui te bouffe le cul, donc... Ah, je suis vachement fatiguée. Les gars. Ok, je reprends. Pardon, je transpire à mort. Du coup, j'ai marché genre 10 minutes. J'ai cru que j'étais perdue à un moment donné, mais je viens de regarder où j'étais et je pense que je suis sur le bon chemin. C'était un peu flippant sur le coup, j'avoue. J'étais là genre... En plus, je parlais de serial killer, de violeur, laisse tomber. Mais du coup, là, c'est bon. Je me suis éloignée. Oh. Ok. Petite casquette Fields. Cette vidéo n'est pas sponsorisée évidemment, c'est moi la community manager, c'est moi qui décide qui sponsorise les vidéos. Juste ma gueule avec une casquette, je vous jure, c'est un enfer. Là, le level touriste, on l'a atteint. On est sur un bon petit 10 sur 10. Putain. Et je vais me barrer d'ici avec des bouses de merde là. Je suis tombé où, wesh? Mais cet endroit, il est chelou, wesh. Ça, là. C'est des ossements. Allez, on arrive. Allez, tagine. Tagine, tagine. Allez, tagine. C'est ok, on l'arrache. Ok. Très cool, l'ambiance. Et l'idée que j'ai eue, moi aussi, là, de faire une randonnée. J'ai perdu tout mon charisme en mettant une casquette, en plus, là. Bref. Je vais marcher un petit peu. Et je vous reprends. J'ai marché un peu, j'ai retrouvé le sentier. Et nous, en fait, on doit monter là-haut. Ouh. Je suis à la moitié de la montagne. On va juste faire le tour, quoi. Je viens de trouver un truc magnifique. Alors. Je vous montre. Mais on est bientôt arrivé. Oh! L'esprit Shodan, il est plus là, les gars. Guettez la montée que j'ai aussi, là. Moi, je suis censée faire comment avec ça? Oh, ok. Je monte cette pente. Ensuite, je fais une pause et je vous reprends. Je suis fatiguée, là. Tenir une caméra, filmer, parler. La galère. Je vous reprends après. Il me faut une piscine. Il me faut de l'eau. Allez, finissons cette petite randonnée. On dirait pas le Grand Gilet comme ça? Ici on est dans la Papouasie. Alors je vous explique, c'est la jungle. Sûrement des lions, des tigres, des arcs-en-ciel et surtout des Pikachu sauvages. J'ai cherché longtemps un troisième truc pour surenchérir, mais vraiment là, je suis juste fatiguée en fait. Non, bah, j'ai fait 5 mètres, je pense qu'on peut... Non. Esprit shonen maintenant. N'oublie pas, esprit shonen. Esprit shonen. Bon bah les couilles. Cours, cours, cours. Ouh, c'était super en tout cas, c'est le petit moment esprit shonen. Je viens de perdre 40 000 calories en 2 secondes. Que le Grand Gilet soit avec moi. Profitez de voir de l'eau, hein. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus, donc... Putain, j'en ai marre. Il y a des lézards, il y a les toiles d'araignée. Qu'est-ce que tu veux, toi, casse-toi. On est presque arrivé au sommet.
Ah bon, oh putain. Oh. C'est de l'escalade là. Il va faire rata la merde. Oh, des escaliers. Oh, je suis trop heureuse de voir des escaliers, c'est incroyable. We have some escaliers. Oh. Oh frère, c'est cette marche à faire un kilomètre de haut, qu'est-ce que tu me fais là? La vue. Wow. Oh le truc de bâtard. En avant, tonte. Bon les gars, l'arrivée, elle est juste là. La montée, elle est juste là, cette énorme pute. Alors qu'est-ce qu'on va faire à votre avis? Hein? Esprit chat. Ok, je suis arrivée en haut. En fait, ça, c'est une antenne 4G. Donc ce qui est bien, c'est que je capte super bien la 4G. Mais du coup, je pensais que c'était ça en fait le sommet et pas du tout, c'est juste pour déguiser que c'est une antenne 4G. En vrai, j'ai arrêté de fumer là pendant quelques minutes. Genre, la vue elle est trop belle. Ça te fait réfléchir quoi. C'est magnifique. Là, c'est le village. Et la gare de là où je suis partie, elle est par là. Et nous, on va se baigner vers les deux petits rochers. Là. Je vous reprends dès que je repars. Je suis en train de descendre tranquillement la montagne. Plus facile qu'à l'aller, finalement, hein, parce que là, c'est que de la descente. Étant donné qu'on a déjà tout vu en termes de paysage, je vais pas filmer la descente, ce serait pas intéressant. À partir de maintenant, je vous laisse qu'avec des plans de la ville, de tout ça. J'espère que ça vous plaira. Des plans qui cette fois seront enregistrés. Allez, tchuss. Oh putain, maintenant tu viens de faire tchuss comme une énorme merde de 2013 là. Oh, tchuss. Mon dieu, la gênance. Dimmi quando tu verrai. Dimmi quando. L'anno, il giorno e l'ora in cui forse tu mi bacerai. Ogni istante attenderai fino a quando d'improvviso ti vedrò sorridente accanto a me. Se vuoi dirmi di sì, devi dirlo perché non ha senso per me la mia vita senza te. Dimmi quando tu verrai, dimmi quando. C'est donc une fin de tournage. Bah du coup j'ai pris le train, comme vous l'avez vu, je suis bien rentrée. J'ai eu très très faim et du coup je me suis dit vas-y, je ferai la fin de la vidéo plus tard, je vais manger. Du coup j'ai mangé dans un resto italien. J'ai encore pris les pâtes carbonara, mais je vous jure j'adore les pâtes carbonara. Et du coup voilà, et après je suis rentrée, j'ai retiré un peu d'argent pour le taxi de demain. Je vais me lever à 3h30. Il est 21h30. C'est une fin de tournage avec cette merveilleuse clim qui fait beaucoup de bruit. En vrai, la semaine était cool si je devais débriefer rapidement. C'était grave cool de voyager toute seule, de commencer YouTube en même temps, de prendre pour la première fois ma caméra. Si je devais terminer sur ce petit vlog, cette première vidéo, s'il vous plaît, soyez indulgents sur le montage, sur ma faculté à parler. On sait tous qu'elle est désastreuse. En vrai, je pense que l'Italie, j'y retournerai. Vietri sul mare. J'ai adoré cette petite ville, vraiment, genre, tout ce que je retiens limite de Zoach, c'est Vietri sul mare, genre, trop beau, trop mignon, trop de trucs à faire, les petites plages privées, là, bien italiennes, bien clichés, j'adore, vraiment, trop pour moi. J'ai adoré ce voyage toute seule.
Ok, je serais pas allée au Vésuve, je serais pas allée à Pompéi comme tous les touristes, mais en vrai, j'aurais vu un vrai truc. Mais en fait, je suis contente qu'il me soit arrivé des merdes sur le fait d'aller au Vésuve et d'aller à Capri. Parce que vraiment, comment j'aurais fait? J'aurais raconté à tout le monde en mode ah, je suis allée à Pompéi, j'ai fait Vésuve. Non, mais non, ferme ta gueule. En fait, je suis contente de pas avoir été une grosse touriste cliché qui fait des trucs clichés parce qu'elle en a entendu parler. C'est trop bien de voyager seule, ça te permet de réfléchir sur plein de trucs. J'ai réfléchi sur mon taf, j'ai réfléchi sur ce que je voulais faire, j'ai réfléchi sur comment j'allais agencer mon webtoon, comment j'allais agencer ma chaîne YouTube, comment j'allais agencer mon compte TikTok. Enfin, ça te permet de réfléchir sur tellement de trucs. C'est une fin de vidéo. Oui, alors je sais, j'aurais pu filmer le retour à Paris, etc. Mais en soi, c'est... Je sais pas, genre, c'est pas intéressant. Vous avez vu l'aller, pourquoi faire retour? Je laisse faire votre imagination. C'est-à-dire que je vais me lever tôt. Je vais avoir des valises sous la gueule, je vais ressembler à un croque-mort. Je vais prendre l'avion. Je vais atterrir à Paris vers 9h. Je vais arriver au bureau, il sera genre 10h. Mes patrons, mes collègues, ils vont arriver. Ils vont dire, Manon, qu'est-ce que tu fais là? Écoutez, les gars, posez pas de questions. Je suis juste là. Je vais gratter les bureaux de fils d'appareil pour pouvoir faire le montage sur un grand écran. Allez, salut! Et à très vite pour une prochaine.